chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé La maladie n'est pas pour toi. La maladie n'est pas la portion de ta vie. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous vivons dans un moment compliqué. Nous vivons dans une période où les gens ne vivent pas par la foi, mais les gens vit par rapport à ce qu'il voit. Vous savez, quand l'homme rejette Dieu, l'homme devient rationnel. Les rejets de Dieu qui a fait que l'homme devient trop rationnel. Être rationnel, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'être rationnel. L'homme est devenu trop rationnel jusqu'à tel point de dire que Dieu n'existe pas. Et comme l'homme pense que Dieu n'existe pas, alors l'homme vit par rapport à ce qu'il voit. L'homme vit par rapport à son expérience. Nous vivons dans un moment où l'homme ne vit plus par la foi, mais l'homme vit par rapport à ce qu'il voit. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, des Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça, c'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens, deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes dans un moment où les gens marchent par la vie. Les gens vivent par rapport à ce qu'ils voient. Les gens vivent par rapport à ce qu'ils entendent. Les gens vivent par rapport à ce que les médecins disent. Les gens vivent par rapport à ce que les politiciens disent. Les gens vivent par rapport à ce que les experts en économie disent. Les gens refusent de marcher par la foi. Pourquoi? Parce que pour les hommes rationnels, la foi, c'est la folie. Les hommes rationnels ne croient pas la foi. Jésus dit à Thomas et Thomas, errez à l'homme qui n'a pas encore vu, mais qui croit. Ça, c'est la foi. D'une façon rationnelle, ça ne passe pas. Comment est-ce que je peux croire à quelque chose que je n'ai pas encore vu? Jésus dit, hey, tu dois croire sans pourtant voir. Les gens rationnels disent, hey, avant de croire, il faut voir. Un homme de foi ne peut jamais marcher ensemble avec un homme rationnel. Parce qu'un homme de foi, il est au-dessus de la rationalité. Un homme de foi est un homme rationnel, mais il est au-dessus de la rationalité.
pas en dessous de la rationalité, au-dessus. Parce qu'un homme de foi croit à la puissance de Dieu. Un homme de foi croit là où l'intelligence de l'homme s'arrête. C'est par là où commence l'intelligence de Dieu. C'est par là où commence la puissance de Dieu. Un homme de foi croit ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. C'est ça qui fait la différence. La parole de Dieu dit, hey, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes de ce monde. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. J'ai lu ça dès Corinthiens. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Praise God. C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11. Verset 1er, la Bible dit la foi est une, je vais dire ça, la foi est une ferme assurance, épître aux Hébreux. Chapitre 11, verset 1er. Premier verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'une autre façon claire, c'est quoi la foi? La foi, c'est de posséder déjà la chose que tu espères. Et un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de posséder déjà la chose que tu espères. Tu possèdes déjà la chose que tu espères. Et un moyen de faire connaître, des réalités que l'on ne voit pas. Je reprends. La foi, c'est de posséder la chose que tu espères. Tu espères la bonne santé. La Bible nous dit, possède déjà la bonne santé. Tu espères avoir des enfants. Tu possèdes déjà en toi les enfants, dans ton esprit. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Ça signifie que tu fais connaître ces choses-là. Les choses que tu n'as pas encore vues. Ça signifie que tu étais malade. Tu dis maintenant, hé, hey, je ne suis plus malade. Tu possèdes déjà la maladie, la bonne santé. Tu possèdes la bonne santé que tu espères. Tu les possèdes déjà, la bonne santé. Et la deuxième chose, tu les fais connaître. Cette bonne santé aux gens pendant que tu es toujours malade. Je prends un autre exemple. La foi, c'est quoi? La foi, c'est posséder déjà la chose que tu espères. Ça signifie que tu as besoin de l'argent. Tu possèdes déjà l'argent que tu espères. Pendant que tu n'as pas encore l'argent, tu le possèdes déjà. Tu dis, oh, j'ai l'argent. J'ai de l'argent. Tu possèdes déjà la chose que tu espères. Et la deuxième chose, tu le fais connaître. Cette réalité que l'on ne voit pas, ça signifie tu démontres aux gens
que j'ai l'argent. Mais pendant que, en réalité, tes poches sont vides. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Un homme rationnel ne peut jamais comprendre la foi. Comment tu peux posséder quelque chose que tu espères? La chose que tu espères, ça signifie tu n'as pas encore touché. Comment tu peux toucher la chose que tu espères? Mais la Bible nous dit, hey, tu dois posséder déjà la chose là. Posséder comment? Les posséder dans ton esprit. Les posséder dans ton mental. Que j'ai la chose à moi. Et tu les fais connaître. Pendant que la chose là n'est pas encore visible. Et dans le verset de, dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit, pour l'avoir possédé, les gens qui avaient la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, les gens qui avaient la foi, avaient reçu les bons témoignages. Les gens qui avaient la foi ont obtenu des bons résultats. Nous allons lire les versets de Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les gens qui avaient la foi, ils avaient obtenu des résultats positifs. Imaginez bien cette femme, la femme du Tsunamite. La Bible nous dit que son enfant était mort. Son mari lui demande. Comment ça va? Pendant que l'enfant était mort, la femme a répondu à son mari, tout va bien. Ça, c'est la folie. L'enfant est mort. On te demande. Comment tu dis tout va bien? Ça, c'est la foi. Et la Bible nous dit, l'enfant là était ressuscité parce que le prophète Élisée était venu dans sa maison. L'enfant était vivant, l'enfant était ressuscité. La foi, c'est posséder la chose que tu espères et un moyen de faire connaître des réalités qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démontrer les choses là qu'on n'a pas encore vu. Nous allons lire Hébreux chapitre 10 verset 38. Hébreux chapitre 10 verset 38. Hébreux 10 38. Et mon fils est vivant par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Mon juste vivra par la foi. Qui est le juste? Les justes, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Devant Dieu, tu es juste. Tu es juste parce que le sang de Jésus a purifié tous tes péchés. Tu es juste parce que tu es devenu une nouvelle créature. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Et la Bible nous dit, dans les livres, dans l'épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Un enfant de Dieu qui ne marche pas par la foi, il ne peut pas être agréable devant Dieu. La foi, c'est de posséder déjà la chose que tu espères. Tu possèdes déjà la chose. Pendant que tu n'as pas encore eu la chose, pendant que tu n'as pas encore vu la chose, tu les possèdes déjà dans ton esprit. Tu les possèdes déjà dans ton cœur.
est un moyen, une démonstration qui les démontre. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu démontres la chose là que tu n'as pas encore vu. C'est comme tu dis, j'ai l'argent. Mais dans tes poches, tu n'as rien. Mais tu affirmes cela avec force. J'ai l'argent. Mais dans tes poches, il n'y a rien. Ça, c'est la foi. Les médecins disent que tu es malade. Toi, tu dis non. Je suis en bonne santé. Et tu l'affirmes avec force. Pendant que à l'œil ni ça se voit que tu es malade. Mais tu dis non, je suis en bonne santé, Dieu m'a guéri. Ça, c'est la foi. Et la Bible nous dit, les gens qui avaient la foi, les gens qui possédaient la foi, ils ont obtenu un résultat favorable. Praise God, alléluia. Les justes vivra par la foi. C'est quoi la foi? La foi, comme je vous ai dit, la foi, c'est de posséder déjà la chose que tu espères. Un moyen de faire connaître les réalités que l'on ne voit pas. D'où vient la foi? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole te donnera la foi. La foi vient lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Lorsque tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi vient lorsqu'on comprend la parole de Dieu, lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Écoutez très chers téléspectateurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il tombe malade. Non. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit toujours en bonne santé. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il tombe malade. Nous allons lire Exode, chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu dit aux enfants d'Israël, hey, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez tout ce que je vous dis, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Nous allons prendre encore un autre passage. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous me servirez, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tous ces passages nous montrent que la maladie est une punition. Écoutez, je ne dis pas que tous ceux qui sont malades, ils sont sous la punition de Dieu. Non. La maladie est une punition parce que
c'est le péché qui est le géniteur de la maladie. C'est le péché qui est l'élément déclencheur de la maladie. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il tombe malade. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient sous la protection de Dieu. Les microbes étaient dans le jardin d'Éden. Mais tous ces microbes-là étaient incapables de nuire dans la vie d'Adam et Ève parce qu'ils étaient sous la protection de Dieu. À la base, Dieu n'a pas créé les microbes pour qu'ils soient nuisibles. Parce que les microbes, ce sont des êtres tout petits que l'œil ne peut pas voir. Vous savez, on peut voir les microbes à l'aide des microscopes. Ce sont des êtres que Dieu a créés. Mais à la base, Dieu ne les a pas créés pour qu'ils puissent nuire à la santé de l'homme. Parce que l'homme était sous la protection de Dieu. Mais le jour où Dieu s'est retiré de l'homme et l'homme a perdu sa protection, l'homme a perdu la protection de Dieu, l'homme n'était plus immunisé. Il a perdu son immunité. Il était à la merci de la maladie parce qu'il était pris sous la protection de Dieu. La maladie est une punition. Parce qu'elle vient du péché. C'est le péché qui est l'élément déclencheur de la maladie. C'est pour cela que tout homme sur la terre, il est sous cette menace de tomber malade. Praise God! Il est sous cette menace. Mais écoutez, Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma parole, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Écoutez, Dieu éloigne la maladie dans la vie de ses enfants. Dieu éloigne la maladie au milieu de ses enfants. Alors, si Dieu éloigne la maladie au milieu de ses enfants, ça signifie Dieu est contre la maladie. Alors, si Dieu est contre la maladie, ses enfants aussi doivent être contre la maladie. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Pourquoi tu dois les refuser? Parce que Dieu n'est pas pour la maladie, Dieu est contre la maladie. Si Dieu était pour la maladie, il n'allait pas dire aux enfants d'Israël, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Pourquoi il a dit comme cela? Il a dit comme cela parce que Dieu est contre la maladie. Praise God, hallelujah. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Tu dois refuser de tomber malade dans ta vie. Immunise ton corps avec la parole de Dieu.
la parole de Dieu est capable d'immuniser ton corps. La parole de Dieu est capable de protéger ton corps contre toutes sortes de maladies. Nous allons prendre un passage biblique, Proverbes chapitre 3, verset 8. Proverbes chapitre 3, verset 8. Proverbes chapitre 3, verset 8. J'ai lu le verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Ça sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement pour tes os. Je vais commencer au verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils y prolongeront les jours et les années de ta vie. Il augmentera ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ici, Salomon dit dans le livre des Proverbes, il dit à son fils, garde mes paroles, garde tout ce que je vous dis, garde cet enseignement, garde la parole de Dieu dans ton cœur. Ça sera la santé pour tes muscles. Ça sera les rafraîchissements pour tes os. Vous savez, j'essaie de voir ces mots en hébreu. Santé. Ça sera la santé. Ça sera la santé pour tes muscles. Les mots santé en hébreu. Les mots santé en hébreu. Je vais simplement l'écrire de mon santé en hébreu. C'est rifeout. Rifeout. Ri. Ri. Rifeout. 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 Ça signifie guérison. Rifeout. Ça signifie la bonne santé. Rifeout, ça signifie aussi la médecine ou médecin. Salomon dit, si tu gardes la parole de Dieu en toi, cette parole deviendra un médicament pour toi. Cette parole deviendra un médicament pour tes muscles. Cette parole donnera de la force dans tes os. La parole de Dieu
a la puissance de immuniser les corps d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de protéger nos corps contre toutes sortes de maladies. Salomon dit, hey, gardez cette parole. Ça sera là, les médicaments pour tes muscles. Ça donnera la force dans tes os. Rifeout. Cette parole guérira tes muscles. Comment on peut immuniser notre corps par la parole de Dieu? Pour immuniser notre corps avec la parole de Dieu, la première chose, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, il faut croire à toute la parole de Dieu. La deuxième chose. Et la troisième chose, il faut confesser dans ta bouche cette parole. Immunise ton corps avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament pour tes os. La parole de Dieu est un médicament pour tes muscles. La maladie n'est pas la part de ta vie. La maladie n'est pas la portion de ta vie. Elle n'est pas la part de ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un médicament pour ton corps. La parole de Dieu est un médicament pour tes os. La parole de Dieu est un médicament pour ton sang. La parole de Dieu est un médicament pour tes yeux. La parole de Dieu est un médicament pour tout ton corps. Praise God, hallelujah. Vous savez, la Bible nous dit, Moïse était mort à l'âge de 120 ans. Mais la Bible nous dit, il avait les yeux, ses yeux étaient clairs. Moïse mourit à l'âge de 120 ans. Mais il avait des yeux clairs. Imaginez, très cher téléspectateur, comment quelqu'un qui a l'âge de 120 ans, qu'il puisse encore avoir une vision nette, une vision correcte. Nous allons lire ça, Deutéronome chapitre 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourit. Sa vue était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Je relis. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourit. Sa vue n'était point affaiblie. Sa vision n'était point affaiblie. Il voyait encore bien. Et la Bible nous dit qu'il avait encore de la force. Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse maintenir sa force? Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse maintenir sa vision? C'était la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est en toi, il va maintenir, cette parole maintiendra ton corps en bonne santé. Cette parole maintiendra ta vision en bonne santé. La parole de Dieu est un médicament
pour toi. Ne néglige pas cette parole. Elle est un médicament pour toi. Moïse, là, à l'âge de 120 ans, la Bible nous dit, sa vision n'était pas affaiblie. Il avait encore de la force. 120 ans. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Salomon a compris cela. Salomon a dit, hey, garde cette parole dans ton cœur. Parce que cette parole sera un médicament pour toi. Rifeout. Cette parole, ça sera la bonne santé pour toi. Ça sera la bonne santé dans tes muscles. Ça sera la bonne santé dans tes os. Praise God, alléluia. La maladie n'est pas la part de ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu maintiendra toujours ton corps en bonne santé. Et tu dois commencer à confesser cela. La bonne santé est ma part. La bonne santé dans mes os. La bonne santé dans mes reins. La bonne santé dans tout mon corps. La bonne santé dans mes yeux. La bonne santé dans tout mon corps. La bonne santé dans mes os. La bonne santé dans tout mon être. Tu dois commencer à confesser cela. La foi, c'est de posséder déjà la chose que tu espères. Et un moyen de connaître les réalités que l'on n'y voit pas. Tu es malade là où tu es. Commence à confesser la bonne santé et ma part. La maladie n'est pas ma part. La bonne santé ma part. La maladie n'est pas ma part. La bonne santé ma part. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Commence à confesser cela chaque jour. Et quand les gens t'appellent au téléphone, comment tu vas? Tout va bien. Même si tu sens la douleur dans ton corps, dis toujours, tout va bien. Praise God, alléluia. Même si le médecin est en train de te donner la piqûre, il faut dire toujours, tout va bien. La parole de Dieu est un médicament pour toi. Les gens t'ont dit que la maladie que tu as est incurable. Oui, selon la médecine, la maladie est incurable. Mais selon Dieu, cette maladie est curable. Parce que la parole de Dieu est un médicament pour toi. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Aucune chose peut résister devant elle. Aucune maladie peut résister devant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est efficace. Capable de séparer l'esprit, l'âme et le corps. Capable de toucher le corps. Capable de toucher les fins fonds de ton corps. La maladie n'est pas la part de ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un médicament pour toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu immunise ton corps. La parole de Dieu est là pour immuniser ton corps. Praise God, la parole de Dieu est un médicament pour toi. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus
n'était pas venu seulement pour sauver l'homme du péché. Jésus était venu aussi pour que tu ne tombes plus malade. Jésus était venu premièrement pour te sauver du péché. Deuxièmement, pour que tu ne tombes plus malade. La Bible nous dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il a versé son sang pour effacer nos péchés. Il a été blessé dans son corps pour que nous obtenions la santé divine, pour que nous ne tombions plus malades. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Praise God, hallelujah. Et quand tu pries, il faut dire, je refuse la maladie dans ma vie. Parce que, par ses maîtrisures, j'ai été guéri. Par ses maîtrisures, j'ai été guéri. Par les maîtrisures de Christ, j'ai été guéri. Il a été frappé. Il a été blessé pour que je ne tombe plus malade. La bonne santé est la part de ta vie. La maladie n'est pas ta part. La bonne santé est la portion de ta vie. La bonne santé est ton partage. Peut-être tu me suis maintenant, tu es malade. Commence à confesser dans ta bouche que la bonne santé est la part de ma vie. La bonne santé est la part de ma vie. Commence à dire ça chaque jour. Commence à confesser cela chaque jour. Commence à déclarer cela chaque jour. Par les maîtrisures de Jésus, j'ai été guéri. N'oublie pas ces choses. Jésus-Christ était venu pour te sauver des, pour que tu ne tombes plus malade. C'est pour cela qu'il a versé son sang pour effacer tes péchés. Il a été blessé pour que tu ne tombes plus malade. C'est pour cela qu'Esaïe dit, Esaïe 53, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et Pierre, quand il dit, Pierre dit, hey, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu as dit au revoir à la maladie. Je reprends les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là que tu as dit, maladie, au revoir. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. Vous savez, j'ai oublié une chose. Vous savez, j'aime une chose dans... dans les livres, dans l'épître de Timothée. Les livres de Timothée nous parlent de l'exercice spirituel. Exerce-toi dans la piété. J'aime ce mot en grec, gymnazo, qui signifie faire des gymnastiques, faire des exercices. Pourquoi on fait les exercices? On fait les exercices ou bien les entraînements pour arriver à la perfection. On n'arrive pas du coup directement. Commence à confesser la parole de Dieu. Même si tu confesses la parole de Dieu, tu tombes malade, n'abandonne pas. Continue toujours. La bonne santé m'a part, la bonne santé m'a part. Même toujours tu tombes malade, n'abandonne pas cela. Continue toujours à confesser. Et tu verras, ça deviendra une réalité dans ta vie. C'est ça, Paul dit à Timothée, l'exercice de la piété. Exerce-toi dans la piété. Exerce-toi dans la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu crois à cette vérité.
et ça deviendra une réalité dans ta vie. La maladie n'est pas la part de ta vie. Praise God, hallelujah. La volonté de Dieu est que tu sois guéri. La maladie n'est pas la volonté de Dieu, mais la guérison est la volonté de Dieu. C'est très important. La maladie n'est pas la volonté de Dieu, mais la guérison est la volonté de Dieu. Alors tu dois choisir. Choisis la volonté de Dieu, la guérison. Confesse la guérison dans ta bouche si tu es malade. Si tu n'es pas malade, confesse la santé divine. Immunise ton corps par la parole de Dieu. Oh, nous allons lire pour la dernière fois ce passage. Proverbe. Praise God. Hallelujah. La parole de Dieu est un médicament. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3, 8. Praise God. Proverbe 3, 8. Ça sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. La parole de Dieu sera un médicament. Riferout. La parole de Dieu sera la médecine. La parole de Dieu sera la santé. Parce que le mot Riferout vient de la racine Rech, P et Aleph. Je vais écrire ça, Rech. C'est ça, Rech. La racine de ces mots, c'est Rech, P et Aleph. C'est ça la racine. Rech, P et Aleph. Et ces mots, ça signifie guérir. Rech, P, Aleph signifie guérir. Ça signifie être réparé. Ça signifie traiter. Et à travers ces mots-là où vient le mot Riferout, qui signifie médicament, qui signifie santé. La parole de Dieu est un médicament pour toi. Immunise ton corps avec la parole de Dieu. Pour immuniser ton corps avec la parole de Dieu, la première chose, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Tu dois croire à son nom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois croire à la parole de Dieu. Et la troisième chose, commence à confesser cette parole. N'oublie pas, la foi, c'est de posséder déjà la chose que tu espères. Et un moyen de faire connaître des réalités qu'on ne les voit pas. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Singh. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.